Le petit chapelet de l'Immaculée Conception. Fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre. Très chers priants, abonnez-vous et activez la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos de prière de ma chaîne Coccinelle de Dieu. Je vous invite également à consulter la description de chacune de mes vidéos et les nombreuses playlists de ma chaîne. Information. Ce petit chapelet doit son origine au Père Bonaventure Ferrari, de l'Ordre des Capucins. Il se compose de 15 grains, divisés en 3 séries. Mais il n'est pas nécessaire de se servir d'un chapelet matériel spécialement béni à cet effet. Ce chapelet est spécialement composé de nombreuses oraisons jaculatoires qui accordent de très grandes indulgences. Pour ceux qui l'ignorent, l'oraison jaculatoire est le terme utilisé pour désigner une toute petite prière, souvent riche d'indulgence. L'oraison jaculatoire peut être invoquée simplement à n'importe quel moment de la journée, mais elles sont spécialement invoquées en fin de dizaines de chapelets. Voici les oraisons jaculatoires présentes dans le petit chapelet de l'Immaculée Conception avec leurs indulgences. Bénie soit la Sainte et Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Indulgence de 300 jours à chaque fois qu'on l'invoque. Dans votre conception, ô Vierge Marie, vous avez été immaculée. Priez pour nous, le Père, dont vous avez enfanté le Fils Jésus, conçu par l'opération du Saint-Esprit. Indulgence de 100 jours à chaque fois qu'on l'invoque. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Indulgence de 100 jours une fois le jour. Ô Marie, qui êtes entrée dans le monde sans tache, obtenez-moi d'en sortir sans tache. Indulgence de 100 jours une fois le jour. Ô Vierge Mère, qui n'avez jamais été souillée de la tache du péché originel, ni d'aucun péché actuel, je vous recommande et vous confie la pureté de mon cœur. Indulgence de 100 jours une fois le jour. Sainte Vierge, Marie Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère, parlez pour nous au cœur de Jésus, votre Fils et notre Frère. Indulgence de 100 jours une fois le jour. En fin de chapelet, la récitation de l'antienne, suivie du chant latin « Tota pulchra es Maria », puis de l'oraison à l'Immaculée, accorde une indulgence de 100 jours à chaque fois que l'on récite d'affilée ces 3 prières. Ce petit chapelet à l'Immaculée Conception peut être prié toute l'année. Et je rappelle qu'aucun chapelet spécial ne remplace le Saint-Rosaire, qui reste le chapelet le plus important de la chrétienté. Les chapelets spéciaux sont complémentaires au Saint-Rosaire quotidien. Chapelet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans votre conception, ô Vierge Marie, vous avez été immaculée. Priez pour nous, le Père,
dont vous avez enfanté le Fils Jésus, conçu par l'opération du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Vierge, Marie Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère, parlez pour nous au cœur de Jésus, votre Fils et notre Frère. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Acte de consécration à l'Immaculée Conception. Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et notre Mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde. Me voici à tes pieds, moi, pauvre pécheur. Dire votre nom. Je t'en supplie, accepte mon être tout entier comme ton bien et ta propriété. Agis en moi selon ta volonté, en mon âme et en mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité. Dispose avant tout de moi comme tu le désires, pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi. La femme écrasera la tête du serpent, et aussi, toi seul vaincras les hérésies dans le monde entier. Quand tes mains toutes pures, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de ton amour, capable de ranimer et d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes et égarées. Ainsi s'étendra sans fin le règne du cœur divin de Jésus. Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque la grâce jaillit du cœur divin de Jésus sur nous tous, en passant par tes mains maternelles. Ainsi soit-il. Premier groupe. Bénie soit la sainte et immaculée conception de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est
bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen. Deuxième groupe. Bénie soit la sainte et immaculée conception de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Vierge Mère, qui n'avez jamais été souillée de la tache du péché originel, ni d'aucun péché actuel, je vous recommande et vous confie la pureté de mon cœur. Amen. Troisième groupe. Bénie soit la sainte et immaculée conception de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, qui êtes entrée dans le monde sans tache, obtenez-moi d'en sortir sans tache. Amen. Antienne. Voici le rameau que ne dérape ni le nœud de la faute originelle, ni l'écorce du péché actuel. Oraison. Vierge très sainte, qui avait plu au Seigneur et êtes devenue sa mère, Vierge immaculée, dans votre corps et dans votre âme, dans votre foi et dans votre amour, en ce solennel jubilé de la promulgation du dogme qui vous proclama, devant l'univers entier, conçu sans péché, regardez avec bienveillance les malheureux qui implorent votre puissante protection. Le serpent infernal contre lequel fut jetée la première malédiction continue, hélas, à tenter les pauvres enfants d'Ève. Ô vous, ô notre Mère bénie, notre reine et notre avocate, vous qui avez écrasé la tête de l'ennemi dès le premier instant de votre conception, accueillez nos prières et, nous vous en conjurons, unis à vous en un seul cœur, présentez-les devant le trône de Dieu, afin que nous ne nous laissions jamais prendre aux embûches qui nous sont tendues, mais que nous arrivions tous au port du salut, et qu'au milieu de tant de périls, l'Église et la société chrétienne chantent encore une fois l'hymne de la délivrance, de la victoire et de la paix. Ainsi soit-il. Chant final. Tota pulchra es. Oh.
Prions. Ô Dieu, qui, par la conception immaculée de la Vierge, avez préparé à votre divin Fils une demeure digne de lui, nous vous en supplions. Ô vous, qui, en la prévision de la mort de ce même Fils, l'avez préservé de toute tâche, accordez-nous, par son intercession, d'arriver jusqu'à vous, pur de tout péché. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.